Salut les gens, c'est YakuHD, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi pour ma part ça va super et aujourd'hui je vous retrouve sur une nouvelle vidéo en zombie sur Black Ops 1 et on sera cette fois-ci sur la carte Call of the Dead pour un petit run que je voulais me faire pour le plaisir, pas un gros run étant donné que je me suis suicidé à la manche 47 et du coup j'avais des armes un peu bidon, enfin pas bidon mais un peu inutile on va dire. Étant donné que j'avais l'arbalète, l'arbaboum qui est vraiment utile plutôt pour s'en sortir, j'avais le yen, donc le charognard amélioré. Étant donné que le charognard faisait pas mal de kills à partir de 4 balles, en fait il fallait tirer 4 balles à la suite pour tuer une vague de 24 zombies à partir de la manche 42-43 environ. Ça commençait à devenir un peu lassant étant donné que les balles partaient assez vite aussi. Et comme j'avais les 6 atouts, j'avais eu Romero et tout ça, j'avais pas eu la Wonder. Donc on m'a dit qu'il fallait faire le secret et donc moi j'ai pas fait le secret, j'ai préféré jouer avec les armes que j'ai directement soit dans la boîte ou soit comme ça. Donc j'ai joué avec ceux de la boîte, donc le Ray Gun, le Mustang Sally, l'Arpaboom, le V11 amélioré pour faire fuir George, mais on m'a dit après que ça servait à rien, donc j'ai enlevé le V11 et puis j'ai pris le Ray Gun, etc. J'ai repris le laser en amélioré. Mais bon, c'était pas très utile dans cette map, surtout que je sais pas comment on peut faire pour faire vraiment beaucoup plus de manches, sachant qu'il faut aller changer dans les boîtes ou autre. Je sais pas comment on peut faire en solo. En coop, je sais qu'on peut faire des manches très élevées facilement, étant donné que en zombie sur Black Ops 1, on peut, surtout sur cette map, on peut avec la V11 tirer sur son partenaire, ce qui fait un one shot. En gros, quand votre coéquipier il tire sur un pack de zombies de 24 zombies, ça fait comme s'il avait mort instantané. Donc c'est plutôt utile, mais en solo je vois pas comment on peut faire. Donc je pense qu'on peut juste avec la Wonder, etc. Les armes, vraiment les armes spéciales, qu'on peut vraiment faire des manches élevées. Mais bon, dans cette partie j'ai fait donc 47 rounds. J'ai joué donc en solo tout le long de la partie. Une strat basique que j'ai réalisée hein, donc devant le phare. Il n'y a pas eu vraiment de strat spéciale, hein, on va pas vraiment dire. Donc la strat a duré 10 minutes environ, 7 minutes environ, 7-10 minutes. Et du coup, même pour 47 rounds, c'était quand même assez complexe, assez difficile. Mais bon, l'essentiel, c'est que j'ai fait 47 rounds. Bon, c'est un petit score hein, pour le solo. J'aurais pu faire plus, évidemment, mais bon. J'avais pas trop l'envie de continuer et puis c'était un peu long, les manches étaient trop longues avec les armes qu'il fallait changer dans les boîtes, faire des plongeons grâce au PhD pour essayer de tenter d'obtenir les munitions quand j'ai plus de munitions, tirer au laser, ça fait plus beaucoup de dégâts, ça fait plus rien, ça fait que des rampants et puis c'est un gaspillage de munitions sur un pack de 24 zombies. Je vois pas comment on peut faire vraiment des manches en solo, en coop je sais qu'on peut vraiment faire beaucoup de manches assez facilement avec la V11 améliorée, mais je vois pas comment on peut solo. Donc si vous avez une idée de comment on peut faire en solo, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Donc je vérifierai et puis je regarderai un peu et puis je répondrai au préalable si le commentaire me paraît plutôt une bonne strat. Mais bon, dans cette strat c'était vraiment l'essentiel hein, c'est le classique qu'on a fait que j'ai fait pardon. Et donc pour la strat normale j'ai pas ouvert la porte en haut dans la porte du phare étant donné que les zombies peuvent spawn par là et donc bloquer la tournante c'est un peu énervant, mais bon c'était quand même plutôt pas mal. Et j'ai pas ouvert le bateau le bateau qui mène directement vers le bateau du courant. Vous avez un petit bateau normal qui coince, en fait c'est un décombre et vous devez l'enlever pour 750. Moi je l'ai pas ouvert étant donné que les zombies peuvent venir aussi de par là, donc ça peut vraiment être un peu casse-couille. Mais bon, j'ai préféré qu'ils spawnent vraiment de deux côtés seulement et puis du sol est normal. Je préfère qu'ils sortent comme ça parce que je pense que c'est une strat plus rapide comme ça, donc après je sais pas. Mais bon, dans cette partie c'était surtout pour s'amuser, surtout pour rigoler et tout ça. Et puis bon, c'était juste un petit divertissement comme ça pour rigoler, s'amuser. Hein, c'était pas une grosse partie hein, que je voulais réaliser, c'était juste une partie pour le fun. Donc ça a duré environ 6-5 heures hein, la partie, donc c'est pas trop grave. Hein, ça m'a. Bon, c'était quand même un peu long, mais bon, c'était amusant. C'est l'essentiel. Donc voilà.
Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à la commenter, pourquoi pas à la partager sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour être au courant de mes prochaines vidéos, défis, challenges et records. Et sur ce, bon visionnage à tous et à très bientôt les amis. Allez, ciao les gens, bye bye.